Je suis méga stressée, je tremble, mon cœur bat super vite et j'ai qu'une envie, c'est de partir de cette scène le plus rapidement possible. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Comment? Je ne suis pas biologiste pour rien. J'aime bien comprendre comment on fonctionne. Alors j'ai cherché et j'ai appris que lors de situations stressantes, mon cerveau me croit en danger. Et je produis une hormone. Le cortisol, l'hormone du stress. Ce cortisol a pour rôle de me sauver. Mais attention, il cache bien son jeu, parce qu'il a aussi des mauvais côtés. Et oui, il est connu pour empêcher le système immunitaire de fonctionner correctement. Et en plus, à long terme, il augmente le risque de cancer. Je suis sûre que vous connaissez les cancers, qui consistent à une prolifération incontrôlée de certaines de vos cellules. Mais saviez-vous qu'à tout moment, vous avez tous des cellules qui commencent à proliférer de façon incontrôlée? Pourtant, vous ne développez pas tous, tout le temps, des cancers. Parce que vous avez au sein de votre corps une armée qui veille et qui, avant même la formation d'une tumeur, supprime ces cellules proliférantes. Cette armée, vous l'avez peut-être compris, c'est votre système immunitaire. Et lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, un cancer peut se développer. Moi, pendant ma thèse, j'ai étudié de nouveaux traitements contre le cancer. Ils ont pour but de réactiver le système immunitaire du patient pour qu'il détruise la tumeur. Seulement, ces traitements, ils ne fonctionnent pas chez tout le monde. Mais pourquoi? On ne sait pas encore vraiment pourquoi. C'est stressant, non, de ne pas savoir comment, pourquoi les choses fonctionnent. Heureusement, mes directeurs de thèse étaient là et ils se sont dit que ce n'était pas suffisant et qu'ils avaient ajouté un peu de stress dans ma thèse. Et si c'était à cause de l'hormone du stress que les traitements ne fonctionnaient pas correctement? Et oui, souvenez-vous, le cortisol, l'hormone du stress, bloque le système immunitaire, ce qui empêcherait les traitements qui le ciblent de fonctionner. Le but de ma thèse a donc été de regarder l'effet du cortisol sur le système immunitaire lors d'un cancer. Et je me suis concentrée sur une protéine en particulier. Son petit nom, c'est B1. Et j'ai découvert que la présence de B1 dans la tumeur est associée à une progression plus rapide du cancer. En fait, B1 produit du cortisol, et ça directement dans les cellules immunitaires, ce qui les empêche de s'activer et de détruire la tumeur. Du coup, j'ai bloqué B1 pour réduire le cortisol et ainsi retrouver un système immunitaire qui se bat face au cancer. En attendant qu'on développe de nouveaux médicaments grâce à cette découverte, mon conseil sera de vous relaxer. Croyez-moi, stresser, c'est pas bon pour votre santé.